Nous espérons que vous êtes satisfait de votre purificateur d'air Aeramax Fellows. Cette vidéo vous donnera les instructions pour remplacer votre filtre HEPA et filtre carbone. Premièrement, le tiroir des filtres se situe sur le côté droit de votre purificateur d'air Aeramax. Pour ouvrir le tiroir, pressez des deux côtés la poignée et retirez complètement le tiroir à filtre. Si votre purificateur d'air est en marche, vous remarquerez qu'il s'éteint automatiquement. Fellows a conçu cette fonctionnalité pour votre sécurité. Retirez et jetez les anciens filtres et placez les nouveaux dans le tiroir. N'oubliez pas d'insérer le filtre carbone en premier, suivi du filtre HEPA avec traitement antimicrobien AeraSafe. A noter que sur le filtre HEPA, des flèches vous indiquent le bon sens d'insertion. Ensuite, il suffit de pousser le tiroir dans le purificateur d'air jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Votre purificateur d'air se remettra automatiquement en marche et reprendra son fonctionnement. L'étape suivante consiste à réinitialiser le voyant de remplacement de vos filtres sur le purificateur. Assurez-vous que le tiroir à filtre soit bien fermé et que le purificateur d'air soit en marche. Appuyez simultanément sur les icônes du filtre HEPA et carbone et maintenez pendant 3 à 5 secondes jusqu'à entendre un bip et voir le voyant du filtre HEPA clignoter en orange. Puis sélectionnez le filtre à réinitialiser en pressant l'icône correspondant. Une fois l'icône sélectionnée, appuyez de nouveau et maintenez pendant 3 à 5 secondes jusqu'à entendre un bip. Le voyant orange doit s'éteindre. Répétez ce processus pour chaque filtre au besoin. En utilisation normale, Fellows recommande de remplacer le filtre carbone tous les 3 mois et le filtre HEPA une fois par an. Profitez de votre purificateur d'air Aeramax Fellows pour une protection maximale de l'air que vous respirez.